Bonjour internautrices et internotateurs, ici Gaëlden pour les jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta. Après notre belle victoire à l'épisode précédent, on est confiant et on a en plus maintenant accès aux habitats T3. Donc j'ai regardé un peu, je vais pas en mettre partout, hein. Il faut quand même que je fasse un peu gaffe au niveau de mes points de contrôle de mission. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je risque de me retrouver limite, donc il va falloir que je m'en préoccupe. Je ne sais pas trop comment encore, mais je vais quand même améliorer certaines bases sur Mars. Typiquement, j'ai amélioré celle-ci qui est celle qui me fournit le plus d'eau. Donc, hop, on est parti là-dessus. Retour. Qu'est-ce qu'on a ensuite autour de Mars? Celle qui me fournit le plus d'explosifs, et hélas. Planitia avec ses 110. Je vais faire une de chaque, hein, une de toutes celles qui me fournissent le plus. Tac. Au pire, j'ai des factions, des bases spatiales dont je peux me débarrasser, hein, donc c'est pas très très grave. Ensuite, celle qui me fournit le plus de métal de base. C'est Olympus Mons. Tac. Ah, celle-ci me coûte, mais plus longue à construire, tiens. T'es 45 jours pour les autres. Ensuite, celle qui me fournit plus de matériaux nobles. Tempétera. Celle-ci, on n'est pas loin non plus. Bah, Olympus Mons, je vais déjà la faire. C'est pas grave. J'ai dit que je m'en faisais 5, je vais m'en faire 5. Ah, il faudrait peut-être que je regarde aussi sur. Peut-être matériaux nobles, peut-être que je fais mieux sur Mercure. Mercure. Ouais, j'ai du 28, j'ai du 30,4 là. Accessoirement, c'est là aussi où j'ai le plus de matériaux de base, de métaux de base. Et puis j'ai en plus pas mal de matériaux fissiles. Donc celle-là, c'est une très bonne. Ouais, ça coûte bien plus. C'est pas grave, on est des fous. Donc on a 10 mercure. C'était quoi? C'était 8,9, le meilleur matériau fissile. Là, je suis à 33. C'est quand même nettement, nettement, nettement mieux. Donc, je vais booster celui-ci. Tac. Je vais pas le faire sur Cérès parce que je suis pas encore assez sûr de moi sur Cérès. Hop, voilà, on est parti sur ces bases-là. Pourquoi est-ce qu'il y en a une? C'était 60 jours et les autres, c'était 45. Ça va être une histoire de nano-usine, mais bizarre parce qu'elles sont toutes sur le même format normalement. Voulez-vous? J'étais même pas sur une fin de tour. Hop. Je t'attends, Victor 168. Maintenant que je t'ai défoncé la chetron ailleurs. Ah, j'ai. L'Amérique du Nord a blindé. Alors, où est-ce qu'on en était? Au niveau de nos conseillers, donc j'avais. Toi, je vais te mettre ici. Je m'en fiche en fait qu'il fasse exprès d'échouer ses missions. En fait, plus je peux le garder longtemps, plus je suis content. Normalement, mes loyautés sont bonnes, mais j'ai vu que j'avais encore des fuites. Alors, donc il faut que je blinde Dashus. T'étais en train d'enquêter sur qui est-ce que t'enquêtes?
Curie donc vous. C'est qui donc vous? I'm on your side. C'est elle. D'accord, donc. Chez les serviteurs, il me semble que j'en ai détecté un autre. Acknowledged. Alors, j'ai Agnedi Barai. Il est où, Agnedi Barai? Investigating target. Your orders. Standing by. Agnedi Barai, il a 16 de loyauté, ce qui est un peu pas évident. Alors, je vais faire enquêter sur qui d'autre. Toujours personne de l'humanité. Eyes on target. At your service. What's the op? Adriel. Ready for my mission. Tu vas aller blinder les États-Unis d'Amérique du Nord. Securing our control. Et Gilou. Ready to go. Gilou. Tu peux m'enquêter sur qui? Alors, il faudrait même que je fasse sur lui. Avec... Ah non, attends, j'ai... Forme de vie extraterrestre, allez. Heading to the LZ. Défoncé. Ok. Go. Institut de sciences militaires. Canon à plasma avancé. Là, tu m'intéresses. Canon à plasma MK3. J'ai déjà du plasma MK3, la vache. Bah écoute, go go go. C'est quoi, poste de combat? Revenu mensuel permet la construction. C'est un module de combat lourdement armé conçu pour résister à portant assaut. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, je veux. Qu'est-ce qui me permettra de défendre au mieux mes anneaux et mes bases au sol. Quand j'aurai ça, à mon avis, je serai... Establishing contact. You ignoble vampires are no concern of ours. Toujours pas mes habitats. C'est pas grave. Moi, je veux bien te donner... Un échange généreux. Bah écoute, si tu trouves ça généreux, mon petit coco, moi, ça m'arrange. Reaching out. You've lined your pockets enough. In the name of progress, ah, we must stand against indigné. You. Ça s'arrange. Donc recommencer. Making things safe for our people. D'influencer nos ex-ennemis. Complexe minier de colonie, ça aussi c'est carrément un favori, c'est même... il faut que je le développe tout de suite. C'est plus important que ça. Le centre de gériatrie, il attendra. Il faut impérativement que je fasse en tout premier lieu... comment ça s'appelait? Complexe minier de colonie. Puisque c'est le T3 pour... il me faut de l'énergie, il me faut de la mine. Et avec ça, je vais pouvoir faire un peu exploser. Parce que là, on voit qu'en eau, ça commence à être un peu just quand même. Person of interest surveilled. Protectorat, je m'en fous. Un groupe inconnu a volé nos recherches sur les fermes solaires. Groupe inconnu, ça va être un succès critique. I have new information. Serviteur, enquêteur, recommencer. Fou. Joli. Répression. Ah oui, je suis encore. Je me suis toujours pas occupé du Pakistan. C'est complètement débile. C'est vraiment complètement débile de ma part. Mais j'y pense pas, d'un épisode à l'autre, j'y pense pas.
Nous avons un nouveau cœur de l'anneau. Alors, notre stationport est sur Thomas Joker Rouge. Ok. Est-ce que vraiment je vais faire évoluer celui autour de Mars dans l'immédiat? Peut-être pas. Par contre, Thomas Joker Rouge, là. Alors, j'ai besoin d'énergie. Ferme solaire, on a dit 125. Eh bien. 1, 2, 3. On aura peut-être besoin de plus. Alors, on va améliorer tout ça. 120 jours, ouais, c'est pas pour tout de suite. Un peu tôt, j'avais des trucs en construction. Couillon! Dommage. Ça aurait été bien de les avoir d'ici le 6 janvier, mais j'espère que je ne le regretterai pas. Alors, prévision 715 pour 720. Ah! Pas de bol. Par ailleurs. Par ailleurs, une petite tour de l'administration, parce que c'est quand même chouette, ne serait-ce que pour le... En plus, en interface, ça me rajoute des points de contrôle de mission. Je vais me rajouter encore des défenses, hein, j'en ai trois. On va... Soyons fous, aller à 4. Je suis donc à 840 de produits pour 790 de consommés. Donc j'ai encore deux modules. Ben, je vais me faire un autre chantier. Comme ça, ça en fera 6. Et un autre. Non, c'était pas chantier qu'il fallait que je fasse. Des niveaux 3, ouais. 965 pour 910. C'est good. Target secured. Ça c'est fait. Il faut que j'aille récupérer ce troisième point au Pakistan. Nano-usine sur Valgrandville, très bien. On va en rester là pour l'instant. Et bah ouais, forcément. Au Pakistan. Donc au prochain tour, il faut que je récupère les deux. Complexe minier de colonie, c'est du T3, c'est bueno. Ça allait vite, dis donc. On peut continuer cendre gériatrie, ça sera vite terminé aussi. Donc, j'ai perdu le Pakistan. Il faut que je récupère impérativement les deux, donc. T'es sur le dos de Yingwondu, c'est ça? Yingwondu, yes. Hop, allez, on s'en va. On s'en va, Adriel. Merci. Donc ça va être Citron qui va aller sur le dos de Yingwondu. Oui, il est là. Tracking target. Where do you need me? Finir de me le trouver. Dashus, il faut que tu ailles récupérer le Pakistan. Les serviteurs en priorité.
We're taking power. I'm here. Qui d'autre peut me faire toi? At your service. T'as 18 en espionnage. Allez. Je vais peut-être te donner un petit coup de pouce. Des fois que, de toute façon, mon influence, j'ai tout ce que je veux. Terminating the opposition. Where to? Et Adriel. Je vais pas retourner le protectorat. Adriel, du coup. Au Pakistan, je vais faire de la pub au Pakistan tant que j'y suis. Making our case. We'll open the channel. You ignoble vampires are no concern of ours. Bah, du coup, ça va. C'est con parce que projet Exode. Establishing contact. J'essaie de me mettre bien avec eux, je vais leur reprendre un point. In the name of progress, we must stand against you. Hop. Sans. Hop. Centre de gériatrie. Ça va rapporter 10 sous-sous. Il me faut les différents. Ça c'est du MK2. Institution spatiale. Complexe de fabrication, ce serait bien aussi. Le T3 sur les nano-usines. Ah, toi, avec ta valeur de 5, je peux te dire que tu vas bientôt être mon pote. Putain. Ça me saoule. C'est vraiment service libre. Poste de combat, donc ça c'est très très bien, c'est le T3. J'ai déjà un. Non, j'ai pas de. Si j'ai la défense mondiale en réseau, mais c'est pas pareil. Canon à plasma avancé. Ouais, si ça c'est. Hop. Drone tactique, c'est moins important. Ça c'est important parce que ça va me faire du T3 sur mes bases de défense. J'ai l'institut de sciences que j'ai un peu oublié aussi. Alors, ceci dit, j'ai quand même beaucoup moins de projets de xénosciences maintenant à la. Bon, quand même sur le principe. On va aller chercher lequel. De toute façon, il faut tous les chercher. Hop, allez. Science spatiale. Ah. En Iran. Institut de biologie. Fabrique. Our people have taken control. Bien. We are in control now. Nano-usine sur Olympus Mons. C'est peut-être pour ça que c'était sur Olympus Mons que je perdais du temps. C'était fou. Ok, donc c'est bon, j'ai pu récupérer le Pakistan, je vais pouvoir le blinder au prochain tour. Il me reste combien de temps? Waouh, l'insurrection est très très haute chez eux. 103 jours. Alors accessoirement, dans mes priorités, en fait ça va pas être tout ça. Je vais faire que du contrôle de mission. J'ai combien? Il me reste pas beaucoup à faire, il me reste un à faire.
Comme ça, quand je l'intégrerai, je vais faire de l'unité, du bien-être, le savoir, tant pis, l'économie, tant pis. Voilà, c'est catastrophique. Même tout ça, on le compensera quand on sera intégré à l'Inde. Donc on va faire que du contrôle de mission, histoire d'être sûr de faire le dernier point, et puis ensuite... enfin, sûr. C'est pas avec le 3,7 que j'ai ici que j'irai chercher très loin. 360 sur 390, il faut que je fasse gaffe. Ok, donc... Primo, toi, tu vas me retourner notre ami. Tac. Des serviteurs. We'll bring them to our side. Your orders? I'm here. Sécurité 9, t'es tellement mauvais que... Je vais te blinder ça. Donc, un c'est fait, Brieux, justement. Alors tu vas continuer à. Making contact. Non, c'est pas ça que je veux. Standing by for others. Standing by. J'ai dit discuter avec la madame Charlotte Guiton. Reaching out. I'm here. Standing by for orders. Alors, Dashus, ready for orders. Enquêter sur ce cher monsieur-là. We'll see what they're up to. Sans doute pas très très humain. Ready for my mission. Gilou, tu vas me blinder le pack. Making things safe for our people. What's the op? Et Dashus. Ouais, écoute, tu vas enquêter sur Headed there now. Sur l'événement. Initiating contact. You ignoble vampires are no concern of ours. Hop, continuons. Initiating contact. De nous faire de très bons amis. Oui, du coup, il est fait. Tout ça parce que j'ai oublié. C'est quand même vraiment bête. We've turned them to our cause. Et voilà. Bonjour, bonjour, bienvenue dans la famille. Alors, et voilà, très très bien ça. Notre installation a défoncé. Des fois que ça me donnerait pas tous les. Tous les aliens, non? Non, dommage. Je sais que j'en demande peut-être un peu beaucoup. Donc une autre installation a défoncé. Et dans mon conseil. Toi, je vais pas te faire faire des échecs automatiques. Vanig, déployons nos forces. I have new information. Oh, bah ça alors, je m'y attendais pas du tout. Xenoform Alpha 25. Institut des sciences spatiales s'est développé. Institut des xénosciences. Tiens, c'est lequel qui... Dans les conseillers. Ah, il y en a qui se baladent dans l'espace, tiens. Complexe de nanofabrication,
Studier les matériaux dans la foulée. Je vais voir les fermes de réacteurs à fusion, ça aussi ça va être bon. Voilà. Centre de commandement, je sais pas ce que c'est, mais je sens que ça va me plaire. Centre de commandement. Eh oui, c'est le T2. Ça c'est très bon. Go tout de suite pour faire plus de points dans l'espace. Traitement découvert du progrès contre le VEF. La fièvre de la vallée du Rift, dorénavant connue par beaucoup sous l'acronyme VEF, continue de se propager sans obstacle dans le monde, mais grâce à une avancée de la station Vargondil, l'espoir de changer la situation renaît. Le traitement actuel se base sur l'infrastructure spécifique présente sur station Vargondil, mais les scientifiques à bord pensent pouvoir adapter la formule aux hôpitaux terriens. Alors, excellent. Forcément, je peux me faire du fric avec ça. Waouh ! Je suis en déficit. Eh oui, parce que toutes mes nano-usines doivent être en train de bosser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de renforcer mon opinion publique dans le monde entier ? Mondial. Franchement, je m'en cogne un peu. Donne des sous. Cœur de colonie. Oups, tout de suite, ça remonte. Sur Mercure. Allez, c'est parti pour la mine T3. Donc ça coûte la bagatelle quand même un 5 plus 3, ça fait 8. Enfin 5 plus 3 points de contrôle de mission. Chacune de ces installations T3 coûte 8 contrôle de mission. En comparaison, le T2 c'est 5 et le T1 c'est 2. Donc voilà, il faut quand même. C'est pour ça que je peux pas tout faire d'un coup quoi. 112 jours, 4,3K. Ça c'est parce que je suis sur Mercure. Que du coup il faut se protéger contre. Wachi. 1018. Ça coûte combien ça? 1,3K. En vrai, sur Mercure, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, ça, 834. Oh, contre 250, putain la vache. L'évolution entre le T2 et le T3, elle est juste énorme, quoi. Ça, c'est délirant. What the fuck? Alors, j'ai pas encore développé ça. Ah oui, le problème, c'est que du coup, ça me le décompte. Ouais, je peux pas tout faire évoluer d'un coup parce que sinon, il faudra que j'attende qu'il y en ait un qui ait évolué pour pouvoir faire l'autre. Je vais quand même faire gaffe un peu à mes ressources. Complexe de nanofabrication. Permet de fonder des anneaux et des colonies. Ouais. Tac. Ça va, ça coûte pas trop cher encore. Ouais, je pense que je vais en faire d'autres. Ça me coûte en entretien. Ça coûte de la flotte. Je vais faire des fermes et des. Bien organiser notre truc. 360. Ah oui, il faut un an pour les construire quand même. Hein.
Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche là? Je suis en train de chercher un truc. Oui, les fermes. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore les fermes T3. Oui, c'était au niveau de l'énergie. Là, je suis à... Ah, je suis un tout petit peu dans le négatif. Donc, je vais... Ceci dit, je peux la mettre HS, en fait. Tant qu'à tout faire évoluer, je fais tout évoluer. Hop, 60 jours. Et ça sera de nouveau opérationnel. Comme ça, en plus, ça me coûte moins. Donc là, je suis à plus 795 tout de même. C'est une bagatelle. Plus de Sioux. Et quand j'aurai accès aux fermes T3, j'en construirai sans doute quelques-unes. Donc je vais attendre un peu plus longtemps. Module de construction sur ça, Patton, sans mine que je revends. Pas que je veux revendre. Ouais. We found something. Et ça, je me doute que tu as trouvé quelque chose. Hop. Ceres. Dommage que j'ai personne autour de Ceres. Et on recontinue. Avec la même chose, mais autour sur Mars. Voilà, donc là, je vais toutes les avoir. Je vais faire un peu la même chose que... Enfin non, pas exactement. Tiens, on va regarder ensemble. Donc, primo, on fait ça. Oui, je le veux. Deuxio, on fait ça. Je le veux aussi. Qu'est-ce que je peux faire évoluer d'autre? Non, c'était tout ça. Je peux faire évoluer... Ah oui, donc du coup, réacteur à fusion. Bah oui, de toute façon, comme je produis rien... Hop. Tout ça, pareil, je vais m'en débarrasser en fait. Je vais améliorer le poste de combat. Allez, tant qu'on est en fou. Let's be big. Ferme de réacteur à fusion. Donc je vais me débarrasser de ces trucs dont je n'ai pas besoin. J'ai la tour d'administration, celle-ci, elle reste. Ferme le réacteur à fusion, on continue. Faut pas qu'on fasse trop non plus, parce qu'il y a un moment où ça servira plus à mon souci. J'ai quand même 8 emplacements. Donc. Il va falloir que je m'en serve. Que je vérifie quand même mes ressources. C'est juste que là tout va bien. Donc pareil, je vais faire d'autres complexes de néo-fabrication. Tac. Là, je suis à plus 93. Un poste de combat, ça ira bien. Un de réacteur à fusion, je vais en faire un autre. Allez, bim. Qu'est-ce que je vais faire de ces 4 là? Pareil, pour l'instant, je vais attendre un peu. Je vais tout convertir ce que j'ai. Donc, de toute façon, je peux pas en faire quoi que ce soit d'autre. Comme ça, tout est HS, c'est pas bien grave. Et puis, je vais attendre de voir un peu ce que je peux débloquer. Peut-être me faire des points de contrôle de mission à la place, je vais voir. Je vais mettre en pause, je vais m'occuper des autres zones de façon similaire, et puis je vous récupère tout de suite après. Voilà, on est reparti. Il faut que je fasse gaffe, parce que quand même ça m'a bouffé. J'avais plus de 20K juste avant de me lancer dans les opérations. Ça a quand même bien descendu. Donc j'ai quand même intérêt à faire un peu gaffe. Bien, donc on a plein de poissons à chasser. Ready for my mission. Alors, j'ai Citron qui s'occupe de Xenoform Alpha 25. Where do you need me? Je vais aller nous péter la structure à Damas. Tac, 98% de succès.
We are going in. Hop. At your service. J'avais dit qu'il fallait aussi que je fasse... que je casse l'alliance radiatique, là. Quoique non, en fait, ça sert à rien, puisque la capitale indienne, c'est New Delhi. New Delhi n'est pas revendiqué par le combiné panasiatique. Celle qui revendique, hein, c'est celle-ci. Nation, population, agitation, démocratie, peuplade et la faction contre la faction, fédération, statut d'alliance, revendication de nation. C'est ça. Pour pouvoir faire une unification, en fait, il faudrait soit que la capitale du combiné panasiatique soit revendiquée par l'Inde, ou l'inverse, que la capitale de l'Inde soit revendiquée par le combiné panasiatique. Comme c'est le cas pour aucun des deux, de toute façon, en fait, bah la fédération, elle permet juste d'équilibrer les revenus financiers et de boost. Ensuite... Standing by. Qu'est-ce que je vais faire de mes autres gens? Je pourrais faire diminuer l'agitation au Pakistan, parce que quand même c'est pas la fête. J'ai pas terminé le contrôle de mission ici. Donc là j'enquête. Adriel pourrait. Qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire? Je pourrais aussi aller à la chasse aux serviteurs. Ça fait partie des possibilités. Tiens, j'en suis une de mes relations. Et ils sont encore en guerre contre moi. Tolérance ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il a des bons conseillers à aller shooter? Alors, il faut faire gaffe parce qu'ils sont tous des très dangereux. Choba machin. Ils ont tous des très dangereux, quoi. Il n'y a qu'un qui ne l'a pas. Ah oui, en plus, celle-là, elle est en orbite. Donc, c'est pas trop la peine. Au niveau de l'académie, c'est pareil. Là, il n'y a pas grand-chose comme organisation. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, ça veut dire que c'est des gros noobs. Est-ce que je peux aller chercher des organisations intéressantes? Bof. Le bouclier des fidèles, c'est la meilleure, mais je peux pas la prendre. Elle est réservée aux serviteurs. Bon, c'est surtout la mine et la science, c'est quand même pas ouf. Et là... Attends, les trois étoiles, c'est... il a pas de trois étoiles tout simplement. Si, non, il a juste émissaire de l'académie ici. Union pour la préservation environnementale. Ouais, moi c'est pas ouf. Hein. Bon. Au moins, je sais les missions qu'il fait et... Donc il faut... Bon, je vais aller diminuer ici l'agitation au Pakistan. We restore peace to this nation. Standing by for orders. Ready to go. Je vais essayer d'enquêter sur ce que je ne connais pas.
ici, par exemple. Surveilling target. Ready for my mission. Ida, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de te faire causer avec... Je ne sais pas. Ah merde, j'ai perdu mon contact avec le projet Exode. Merdouille. Bon, là tu vas aussi enquêter. C'est un peu. We'll see what they're up to. On va bientôt arriver à la date fatidique où la grosse flotte va débarquer autour de la Terre. Reaching out. You ignoble vampires are no concern of ours. Allez, je vais augmenter la donne. Cœur de l'anneau sur Mazamara. Alors, Mazamara, c'est pour l'Institut de l'énergie. Jours. Bon, ça coûte pas trop cher. Alors on améliore le poste de combat. Les fermes solaires, ça rapporte 125 et on a dit que ça rapporte 250. C'est quand même pas la même. Alors bon, en coût, c'est pas la même non plus. C'est vrai que ça coûte vraiment rien. Le banquier. Allez, c'est bon. Faisons des formes, c'est là. Donc là, je suis à, du coup, moins 95. Donc on va continuer. Je vais faire des fermes solaires. Comme j'aime bien en avoir un peu partout. Une usine. Pourquoi pas un chantier spatial, histoire de faire des réparations potentiellement un peu partout, mais est-ce vraiment nécessaire? Pas forcément. Par contre, le centre de commandement, la tour de l'administration, ça c'est très bien. Je suis à plus 130. Je vais compléter avec des centres de gériatrie. Histoire de rapporter des sous et puis des fermes. Aussi, il faut que je fasse gaffe. Alors, sauf que pour l'instant, je vais pas les fermes T3. Donc j'attendrai... Ouais. Je vais sans doute mettre deux fermes T3 ici. Histoire de compenser un peu tout. Nickel. Jusque là tout va bien. Surveillance complete. Xenoform, hop. Et un troisième. We've got some intel on our target. Ah, l'humanité, yes. Je vais me garder au chaud. Des fois que. Surveillance complete. Alors, la résistance, ok. Stop your hypocritical hand-wringing. You think only of the minor threat at the time I quashed it, and not of the insurmountable threat it would have become had I not. Colonel Hans Castillo, during a war crimes trial,
toujours aussi. Technologie maximale plus 0,5. Et où est-ce que j'en suis? Avec... dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Je ne sais pas. Guerre biologique ciblée, ça porte quoi? Virus ciblé, idée suggérée. Alors, la fission m'intéresse quand même nettement moins aujourd'hui. Je pourrais aller chercher l'antimatière. Ça se fait quoi? Ferme un réacteur à fusion lourd. Réacteur à fusion à structure axiale 3. Laser à commande de phase. Les défenses de surface utilisant le laser à commande. Pas du tout ce que ça apporte. Énergie propre, confinement du neutronium. Bonne question. Bonne question. Augmente de 1 la technologie de fusion nucléaire afin de protéger le monde des futures crises énergétiques. Ça, j'ai jamais trop compris ce que ça apportait non plus. Bon, on va aller sur l'antimatière comme du bois. Pour l'instant, j'ai pas vraiment commencé, mais un jour, je m'y mettrai aussi. Toi, je sais pas sur qui tu voles. Vol de projet. Complexe agricole, mid. Nouveau projet disponible, analyse des armées extraterrestres. 25% de dégâts en plus aux armées extraterrestres. Sympatoche, même si... Bon. Et les serviteurs. Ah oui, donc lui là, clairement, je viens de me faire choper. Donc ça veut dire que c'est elle qui se fait... Qui se fait tout voler, en fait. En plus, elle est détectée par tout le monde. Je vais la planquer juste après. Institut des matériaux. Complexe agricole. Donc c'est les fermes T3. Order is returning. Hop, tu vas recommencer. Hop, ça je m'en fiche. Centre de commandement, je m'en fiche pas du tout. Parce que comme je suis un peu light. On continue sur les différents secteurs de recherche. By the numbers. Bim, allez, on y va. GG. Et j'ai terminé sur Olympus Mars. Et on est au 1er janvier. Donc je vais faire comme comme chez les copains. Non, c'était appliquer le modèle. Hop. Basté 3. Tac. Sauf que j'ai pas la même chose. Enfin, je n'ai la même chose nulle part. Donc on améliore tout ce qu'on peut améliorer. Un réacteur à fusion, une poste de combat. Et qu'est-ce que c'est que ça? Campus de recherche. Des campus de recherche ici. Vraiment bouf, je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin. Alors donc là j'ai les centres de commandement ici. Alors, ça c'est quand même important. J'ai bien une tour d'administration, oui.
Je vais peut-être quand même me faire... en faire quelques-uns. Je les ferme. Ah, 360 jours, ça aussi. Tic-tac-tac. Il me faut... Toi, désolé. Mais... Ça, je vais la faire évoluer. Il faut faire gaffe parce que... En passant en T3, ça va aussi me coûter plus cher. Donc je vais sans doute me faire encore un réacteur et puis on verra pour le dernier slot. Ok. Et je vais arrêter cet épisode ici. Il a largement assez duré. C'est un gros épisode, passage du T2 au T3. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, me dire si vous auriez fait des bases avec un format un peu différent. Et puis, n'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça permet d'être référencé sur YouTube, et on est bien content. Allez, gros bisous à tous, à bientôt.